Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PopiMR 44, petit rendez-vous du mois pour indiquer ce qu'on a pu avancer niveau peinture pour la chaîne ainsi que un petit peu les projets de la chaîne. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pu peindre dans un instant. Juste avant, un petit point sur la chaîne. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, les abonnés commencent à avancer. Pas trop mal, on est quasiment à 250. Je vous rappelle qu'on s'était fixé comme objectif les 250 abonnés pour faire un nouveau rapport de bataille un peu sympa. On va sans doute faire un 2 contre 2. Voilà, on vous en dira plus le jour où on fera la partie. On est un peu en train d'organiser ça. On frôle les 250, donc ça va pas trop tarder. On aura peut-être un laps de temps entre les 250 abonnés et la vidéo parce qu'il faut un petit peu qu'on s'organise. Et c'est un petit peu plus difficile au mois d'août. Voilà, comme vous avez pu le constater, on a créé un Tipeee sur lequel vous pouvez faire des dons, même des tout petits dons, ça nous aidera vraiment. N'oubliez pas surtout de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Ça aide aussi énormément la chaîne, ça vous coûte pas grand-chose, mais par contre ça aide vraiment la chaîne. On a sollicité quelques sponsors, on attend un retour, on a eu la bonne idée de faire ça en plein mois d'août, donc vous doutez bien qu'on va pas avoir des réponses tout de suite, mais bon, on espère, on espère, on va voir ce que ça peut donner. Et donc du coup, voilà les petites news. On est toujours motivé, on compte bien continuer. Et tout ça dépend de vous, si vous continuez à apprécier et à nous suivre dans ce projet. Voilà, passage tout de suite à ce qu'on a pu peindre ce mois-ci. Alors en termes de peinture pour ce mois-ci, on a fait un petit peu d'orque comme on avait pu vous le dire. Alors pas autant qu'on l'espérait, mais on a été un petit peu happé par d'autres projets. On a donc du coup peint un superbe truck orque. Un superbe truck orque que vous pouvez voir actuellement sur votre écran. Le grand, le beau, l'excellent Gask Ultra K que vous avez déjà eu l'opportunité de voir lors d'un rapport de bataille. Côté Nécron, pour s'opposer à Gascul, on a peint pour ce même rapport de bataille le bel Illuminor Zeras. Côté Space Marine, on a rajouté 5 Dévastateurs avec le petit alors chérubin qui n'est pas un chérubin chez Space Marine, mais j'ai perdu son nom. Donc on a rajouté ça pour pouvoir jouer un petit peu de tir côté Space Marine. Côté Space Marine du Chaos, vous les avez déjà tous vus dans des rapports de bataille, le Grand Abaddon. L'apôtre noir et ainsi que des cultistes. Que des cultistes, les beaux cultistes, les dix beaux cultistes. On n'a pas avancé beaucoup, beaucoup ce mois-ci. C'était les vacances. C'était les vacances. On est parti un petit peu. On a pris des devoirs quand même pour faire un petit peu de montage. Et par contre, le mois d'août, on va vous faire un CDA du feu de Dieu. Et voilà, on a déjà hâte de vous montrer ça. Et puis voilà. Voilà, le CDA du mois de juillet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Juste quelques minutes encore une fois. On vous rappelle juste l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment avance le studio et d'essayer de vous motiver à peindre pour effacer cette pile de gris. On se voit très bientôt pour un prochain rapport de bataille et sinon pour le CDA du mois d'août. Ciao!